ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a permis subhanahu wa ta'ala d'avancer dans cette épître que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a nommé les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Nous avons parlé des différents chapitres liés à la croyance, puis des chapitres liés à la salat, puis aux ablutions. Puis nous avons commencé à citer les chapitres liés au comportement et aux politesses. Comme vous savez, l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Malik, Al-Harith ibn Al-Harith, ou Al-Harith ibn Al-Asim, la purification est la moitié de la foi. C'est-à-dire que le fait de se débarrasser des impuretés dans la croyance, c'est la moitié de la foi. Car la moitié, c'est un nafyu, le fait de renier toute adoration en dehors d'Allah. Et la deuxième moitié, c'est al-ithbat, le fait d'affirmer que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Dans toute chose, en islam, il ne suffit pas d'affirmer ce qui est juste et d'enseigner ce qui est bon. Il faut aussi réprimer ce qui est faux et enseigner aux gens ce qui est faux et ce qui est une erreur. Donc quand on enseigne al-tawhid, il faut enseigner aussi qu'est-ce que c'est le shirk pour s'en préserver. Quand on enseigne la salat, on enseigne les actes qui annulent la salat et les actes qui la diminuent. Quand on enseigne les piliers, les obligations, etc. On enseigne les ablutions, on enseigne les actes qui annulent les ablutions. On enseigne la sunna, on enseigne qu'est-ce que c'est la bid'a, pour que les gens en restent loin. On enseigne les bons comportements et on appelle au bon comportement et on enjoint au bon comportement obligatoire. Aussi, on doit mettre en garde contre les péchés et les mauvais comportements. L'un ne va pas sans l'autre. Celui qui dit « je ne parle que du bien, je ne mets pas en garde contre le mal », celui-là, c'est une personne qui veut cacher son égarement ou bien qui est un égaré dans sa compréhension de l'islam. L'un ne va pas sans l'autre. « Al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar » Ça va ensemble. Tu ne peux pas conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Certains vont dire « moi je fais que enseigner le bien ». Je ne parle pas du faux. Je ne parle pas de ce qui est mauvais. Je ne dis pas que cette chose est une bid'a. Je ne dis pas que cette personne est un mubtadi'. Je dis que c'est quoi la sunna. Et quand il énonce la bid'a, il l'énonce que en général. Il va dire les gens de la bid'a en général. Mais on lui dit nomme-les. Il va dire ils n'existent pas en cette époque. Donc si tu dis qu'une chose qu'Allah Ta'ala a nommée les gens de la sunna, les gens de la bid'a, les gens du groupe sauvé, les gens des groupes égarés. Ça, c'est dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont existants. Ces groupes sont existants et ces choses sont existantes. Il faut donc savoir c'est lesquels. Il suffit pas de dire le hadith. Il y a un groupe sauvé et 72 égarés. 72 égarés. D'accord. On est tous d'accord sur ça. Et après, mais qui est le groupe sauvé et qui sont les groupes égarés? C'est là la discussion, elle commence. Fahakada, quand ici on a parlé la semaine dernière, et Cheikh Ibn Baz, il a fait cela. Il a cité
les comportements obligatoires et recommandés. Et maintenant, à la suite, il cite dans sa prochaine leçon la mise en garde contre le shirk et contre les grands péchés et contre les comportements interdits. Donc voilà comment c'est l'islam. Tu te vides de ce qui est mauvais et tu récupères ce qui est bon. Et dans les hadiths sahihah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, quand on allait chez lui, il nous vidait de nos mauvaises croyances, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises compréhensions. Après, il nous remplissait des bonnes croyances, des bonnes habitudes, des bonnes compréhensions, des bonnes pratiques, des bonnes mœurs. Hadha huwa al-islam. L'islam, c'est ces deux choses ensemble. Celui qui veut séparer ces deux choses, il ne peut que s'égarer. Celui qui fait que dire le mauvais, il enseigne pas le bien. D'accord, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il te dit juste qu'il faut pas faire. Celui-là aussi, il est manquant. Il te dit qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il faut expliquer ce qu'il faut faire. Et le contraire aussi est une erreur. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, ceci est obligatoire. Mais il ne te dit pas ce qui est interdit. Alors tu vas tomber dedans. Et on connaît tous les hadiths de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il a dit, tous les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Et moi, je lui demandais sur le mal pour ne pas tomber dedans. D'ailleurs, c'est le seul à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la liste des munafiqins, des hypocrites, non pardon, un par un. Jusqu'au point où au temps des sahaba radiyallahu anhum, ils regardaient. Si Hudayfa allait faire la salat sur quelqu'un, ils allaient tous faire salat sur lui. S'il n'allait pas faire salat sur quelqu'un, il n'allait pas faire salat sur lui. Jusqu'à ce qu'Omar radiyallahu anhu, il lui a dit, je te demande par Allah. Je te demande par Allah, dis-moi, est-ce que mon nom il est dans cette liste? Non. C'est pour ça, le poète, il a dit, j'ai appris le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas la différence entre le mal et le bien, yaqa'u fihi, il tombe dedans, il tombe dans le mal. Idan, al-Sheikh, rahimahullah, a nommé cette 17e leçon la mise en garde contre le polythéisme et les divers péchés. Puis il a cité, rahimahullah, plusieurs sortes de péchés. Il a débuté par les 7 qui sont cités dans le même hadith, que l'on va citer, inshallah, plus d'autres grands péchés. Et il a commencé par le plus grand des péchés, qui est ash-shirku billah. Donc, qu'il est obligatoire, la mise en garde contre le shirk et les grands péchés, toutes sortes de péchés, et les 7 pernicieuses, les 7 qui te causent ta perte. Et elles sont, et il a dit, le polythéisme, donner un associé à Allah, la sorcellerie, et de tuer une âme, une personne dont son sang est sacré, que Allah a interdit de tuer, sauf de bon droit. De bon droit, c'est quoi? C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sang du musulman est sacré, sauf dans 3 cas. La personne qui a déjà été mariée et qui a forniqué, une âme pour une âme, c'est-à-dire la loi du talion, et celui qui a délaissé sa religion, al-murtad, comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, le fait de tuer une âme sacrée, tu es une personne dont la vie est sacrée, sauf lorsque cela est religieusement justifié. Le fait de manger les biens qui sont issus de l'usure. Tout le riba, on va voir après cela, inshallah. Et manger les biens de l'orphelin. Le fait de fuir durant la bataille. Ça, on va en parler, inshallah. Et le fait de calomnier les croyantes chastes et innocentes. Puis il a cité d'autres grands péchés. Ces 7 péchés qui sont cités dans Sab al-Mubiqat, le hadith, ne sont pas les seuls grands péchés. Il y en a d'autres. Il a cité la désobéissance aux parents, rompre les liens de parenté, pratiquer le faux témoignage, prêter des serments mensongers, causer préjudice aux voisins, être injuste envers les gens en portant atteinte à leur vie, leur bien, leur honneur et autres actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont rendu interdit. Voilà le texte que Cheikh Ibn Baz rahimahullah il a cité. Maintenant, on va essayer de s'arrêter sur chacun de ces péchés et donner une explication succincte. Chacun de ces péchés, il nécessiterait un cours en réalité, si ce n'est plus. Mais on va donner quelques explications légères sur chacun de ces péchés qui sont dangereux. Et on va commencer par le hadith
par d'abord la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit « Si vous vous éloignez des grands péchés que nous vous avons interdits, nous vous effacerons vos fautes et vous ferons entrer dans une demeure convenable et honorable. » Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans le hadith sahih qui est apporté par le Bukhari et Muslim « Délaissez et éloignez-vous des 7 péchés pernicieux, ceux qui vous causent votre perte. » Ils ont dit au messager d'Allah « Quels sont-ils ?» Il a dit « Donnez un associé à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf dans le cas où la religion l'a permis, manger l'argent des orphelins, manger l'usure, le fait de se sauver le jour de la bataille, le fait d'incriminer et d'accuser une femme chaste et innocente à tort. » Puis, sachez, barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs, que les péchés, les grands péchés ne sont pas seulement au nombre de 7. Quand on a interrogé Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abi, sur les grands péchés, ils ont dit, « Ya Abdullah, Ya ibn Abbas, est-ce que les grands péchés sont au nombre de 7 ?» Il a répondu, « Ils sont plus proches de 70 que de 7. » Puis, il a dit, radiallahu anhu, un grand péché ne reste pas avec la demande de pardon. C'est-à-dire que la personne qui se repent et qui demande pardon, Allah lui efface ce grand péché. Et un petit péché ne reste pas petit quand il est fait constamment. C'est-à-dire un péché, même s'il est petit, quand il est fait constamment, il devient un grand péché. Et dans le verset qu'on a vu au début, Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis cette promesse que celui qui délaisse les grands péchés, Allah lui pardonnera ses fautes et l'entrera au paradis. Donc ça, c'est une promesse d'Allah. C'est pour ça qu'il est important aux musulmans de laisser tous les péchés, grands et petits, mais de s'éloigner de la plus grande distance des grands péchés et de s'éloigner de tous les chemins menant aux grands péchés. Comme on a dit, les grands péchés, ce ne sont pas seulement les péchés qui sont cités dans ce hadith, et ils sont plus proches de 70 que de 7, comme a dit Abdullah ibn Abbas. Les ulama ont divergé sur la définition du grand péché. Mais on peut donner une idée. Toute personne qui fait un péché pour laquelle il y a une peine désignée en islam, dans le Coran ou dans la sunna, un had, comme la peine du voleur, comme la peine du fornicateur, comme la peine de celui qui tue, comme la peine des gens des révolutions, etc. Allah Ta'ala, il a parlé de cela. Tout ça, c'est des peines qui sont désignées pour des péchés précis. Que ce soit des péchés personnels, des péchés dans la société, des péchés liés au pays ou des péchés liés aux autres, le mohim. Ça, c'est un. Donc, ils ont donné l'exemple comme le meurtre, comme la fornication, comme le vol, etc. Deuxième chose, tout péché pour lequel il est venu une mise en garde dans l'au-delà. C'est-à-dire, par exemple, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wallah, il n'est pas croyant » ou bien « Celui qui fait telle chose, fawailun lahu » il aura l'wail ou alors il aura tel châtiment. C'est un grand péché. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ceux qui mangent l'argent des orphelins par injustice, ils ne font que manger dans leur ventre des braises de feu et ils vont brûler en enfer. » Donc regardez, cette mise en garde, elle prouve que c'est un grand péché. Wallah. Donc, on a dit, celui pour lequel il y a un had d'une peine, celui pour lequel il y a une mise en garde d'un châtiment dans l'au-delà, ou qu'Allah est en colère contre lui, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 personnes Allah ne leur parlera pas et ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Par exemple, ça c'est une preuve que c'est un grand péché. Voyez ? Ou bien, un péché pour lequel, ou Allah l'a maudit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. Comme on voit par exemple dans le Coran al-Karim, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. De même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths qu'on va voir plus tard, qu'Allah maudisse celui qui mange le riba, celui qui donne le riba, celui qui participe au contrat, celui qui l'écrit. Et les témoins. Donc ça prouve que tous ceux-là, ils sont maudits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont dans un grand péché. Et à la fin du hadith, comme on va voir, Wahum Sawa, il a dit, ils sont tous pareils. Peu importe, il mange, il donne, il est témoin, il a signé, ils sont tous pareils. Ils rentrent tous dans le riba.
Bien qu'il y ait des degrés de péché différents entre eux, mais tous ils rentrent dans ce péché-là. Tayyib, al-shirk billah, ça c'est le plus grand des péchés, al-shirk, le polythéisme. On en a déjà parlé dans les cours de, dans les premiers cours de, quand on a parlé de la croyance, mais on peut en reparler rapidement. C'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui nous a créés. Et c'est le fait d'adorer, d'invoquer, de demander l'aide, de se prosterner, de jurer par autre qu'Allah, d'espérer, d'avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le polythéisme, il se partage en deux sortes. Le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et le polythéisme mineur qui est le plus grand des péchés mais qui ne fait pas sortir la personne de l'islam, comme l'ostentation. La personne qui fait salat pour Allah, mais il l'embellit parce que les gens, ils le regardent. Ça, c'est de l'ostentation. Et c'est un péché qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui annule cet acte et qui est le plus grand des péchés par lequel on désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, que cette personne qui est adorée en dehors d'Allah, que ce soit un prophète, ou que ce soit un shir, ou que ce soit un ange, ou que ce soit un prophète rapproché, ou même le meilleur des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk akbar. La personne qui fait ça, elle sort de l'islam. Il n'est plus musulman. Et Allah, tabarak wa ta'ala, a dit dans le Coran al-Karim, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. C'est-à-dire dans l'au-delà. Si quelqu'un dans le dunya, il demande pardon à Allah de son shirk, Allah lui pardonne. Mais s'il meurt sur le shirk, alors Allah ne lui pardonne pas. Sa place sera l'enfer éternel. De même, Allah tabarak wa ta'ala a dit, certes, le polythéisme est une injustice énorme. De même qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit, certes, celui qui donne quelconque associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa place, sa demeure est en enfer. Et les injustes n'auront personne pour les secourir. Ils n'auront aucun secoureur pour leur venir en aide. Donc le shirk, le polythéisme majeur, il a plusieurs méfaits. Premièrement, c'est le plus grand des péchés. Deuxièmement, la personne qui meurt sur ce péché-là, qui meurt avant de se repentir de ce péché-là, il ne sera pas pardonné. Allah ne lui pardonnera pas. Troisièmement, sa place est en enfer. Quatrièmement, il n'en sortira jamais. Cinquièmement, le paradis lui est interdit. Sixièmement, toutes ces œuvres sont annulées. Donc imaginez-vous donc la gravité de ce péché. Et aujourd'hui, on a combien de gens qui s'affilient à l'islam et qui n'ont de l'islam que le nom. Alors qu'ils adorent en dehors d'Allah des saints, des statues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses, des arbres, et j'en passe et des pires. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit Allah Ta'ala a dit, c'est moi qui me passe le plus du shirk, du polythéisme, ou d'un associé. Toute personne qui fait un acte dans lequel il m'a donné quelconque associé, je le délaisse lui et son associé. Dire Allah, il ne l'accepte pas. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah, tabarak wa ta'ala, en parlant des gens qui font les actes pour autre qu'Allah, il a dit, wa qadimna ila ma amilu min amalin. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Et nous avons devancé, avancé ou regroupé tout ce qu'ils ont fait comme acte et on en a fait هَبَاءً مَنْثُورًا comme de la poussière éparpillée. Zéro. Le jour du jugement dernier, tout ça, ce sera zéro. Donc la personne qui donne quelconque associé à Allah, il verra tous ses actes annulés. Allah tabarak wa ta'ala a dit en parlant de tous ses prophètes et ses messagers, les êtres les plus aimés auprès d'Allah, s'ils avaient donné quelconque associé à Allah, tous leurs actes auraient été annulés. C'est dans le Coran. Les meilleurs des hommes. Et Allah a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah, il lui a dit, subhanahu wa ta'ala, si tu avais donné, si tu donnes quelconque associé à Allah, tes actes seront vains et tu seras parmi les perdants. À qui Allah ta'ala dit ça dans le Coran? Au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, imaginez-vous, Allah a mis en garde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les messagers de donner quelconque associé à Allah et que s'ils l'avaient fait, Allah aurait annulé tous leurs actes. Alors qui après les meilleurs des hommes peut prétendre qu'Allah va le pardonner s'il lui a donné quelconque associé? L'autre péché
qui fait partie du shirk en réalité et du kufr, c'est sihr, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le fait d'utiliser des paroles ou des incantations et des actes qui sont des, comme on va voir, des actes kufris, des paroles kufriyas de mécréance, qui ont un effet sur le cœur, sur les corps, et parmi cette sorcellerie, il y en a qui peuvent être la cause de rendre malade ou même de tuer. Et parmi ces sorcelleries, il y en a qui sont la cause de diviser entre le mari et sa femme, et entre deux amis. Et parmi cette sorcellerie, il y a aussi la sorcellerie, l'illusionnisme, la magie, les gens qui s'amusent. Maintenant, il y a des musulmans, ils achètent des jeux de magie à leurs enfants. C'est-à-dire, ils leur apprennent à être des koufars. Na'am. Allahu musta'an. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, en parlant de cette sorcellerie-là, qui est sihr al-takhyil, il a parlé en parlant des sorciers qui étaient à l'époque de Moussa. C'est ça qu'ils faisaient. Les sorciers à l'époque de Moussa, ils ont utilisé sihr al-takhyil. Et Allah les a appelés sahara. Allah les a appelés sorciers. Pourtant, c'était que de l'illusion. Dans surat Taha, Allah Ta'ala a dit que les sorciers ont dit à Moussa, « Oh Moussa, ou bien tu jettes en premier, ou bien nous jetons en premier. » Ils avaient des cordes. Il a dit, « Ou bien tu jettes en premier ton bâton, ou bien nous on jette en premier. » Il leur a dit, « Jetez-vous. » Alors que tu vois que leurs bâtonnets et leurs cordes, ils illusionnent les yeux des gens comme s'ils étaient en train de ramper et de bouger. Donc Allah a appelé cela « sihr » de la sorcellerie. Et la sorcellerie, dans toutes ses sortes, elle est haram. Elle est illicite. Et les savants ont divergé sur le statut du sorcier. Est-ce que c'est un kafir ou non? La majorité des savants voient que toutes sortes de sorcellerie rend kafir. Certains différencient. Ils disent la sorcellerie dans laquelle il y a du kufr. Comme par exemple, la sorcellerie dans laquelle ils demandent l'aide des shayatin, des satans, des diables, ou des djinns, ou dans lesquels ils invoquent autre qu'Allah, alors ça c'est un kafir. Mais si c'est juste des tours de passe-passe, par exemple qu'il fait, c'est haram, ça s'appelle de la sorcellerie, et c'est haram, mais ça ne le rend pas mécréant, mais ça peut le ramener jusqu'à la mécréance. Donc il y a divergence sur ce sujet. Cheikh Mohamed Al-Amin Shanqiti, et Rahimahullah, et l'Ajna Da'ima, certains parmi nos mashaykh muhaqqiqin, ils ont dit que si la sorcellerie qu'il fait, dedans il n'y a pas de kufr, c'est haram, c'est un grand péché, mais ça ne le rend pas mécréant. Après, ils ont divergé sur la peine du sorcier. La majorité des savants ont dit, c'est lui couper la tête avec une épée. C'est ça la peine du sorcier, peu importe sa sorcellerie. Bien sûr, quand on dit les peines, c'est pas Mohammed et Issa, ils vont attraper un sorcier, ils lui font ça. Barakallahu fikum. Hein? Ça, les peines, il n'y a qu'une juridiction islamique qui a le droit de pratiquer les peines après un jugement. Comme ici, comme dans tout pays où il y a leurs lois inventées, ils font le juge, après le juge, il décide de la peine, après il y a des gens pour pratiquer la peine. Dans les pays musulmans aussi, c'est comme ça. Dans l'islam, c'est comme ça. C'est pas la fawda, c'est pas l'anarchie. Quelqu'un, il court, il attrape son fils, ah, t'as forniqué, je vais te faire la peine. C'est pas comme ça, barakallahu fikum. Hein, c'est... L'affaire est remontée devant un juge, il faut les preuves, les témoins, etc. Et après cela, si le juge décide, voit que tous les éléments sont réunis pour que la personne mérite la peine, il juge de la peine et le bourreau, il fait appliquer la peine. C'est comme ça. Naam, barakallahu fikum. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Ce hadith, il est rapporté dans plusieurs versions. Et il y a une version longue qui est dans Sunan Abi Daoud, qui est très profitable. Abdullah ibn Mas'ud est rentré chez lui. Il a vu sa femme avec, accrochée à la main, comme vous appelez-vous, un ta'wiz. Ta'wiz, comme vous dites, ou selon les langues. Hein? Une corde. Il est rentré, il s'est fâché. Il a dit, la maison d'Abdullah est loin du shirk. Il l'a pris, il l'a coupé, il l'a déchiré. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, ne trouve pas une corde attachée comme ça sans la déchirer. Ne trouve pas une ruqya, une tamima attachée sans l'arracher. Il a ordonné que si quelqu'un trouve ça chez un musulman, il l'arrache. Wadih.
Quand il a vu ça, il l'a arraché, il l'a déchiré, il l'a détruit. Alors, mais elle a dit, mais ça marche. Quand j'ai mal à l'œil, et quand je vais voir ce raqi, qui est un raqi juif, je vais le voir, quand je vais le voir, j'ai plus mal à l'œil. Et il dit, on allait avant, on allait les voir, et on va le voir, ça marche. Et c'est ça qu'on entend beaucoup aujourd'hui chez les gens qui font du shirk. Quand les gens, ils adorent les tombes, quand les gens, ils vont demander aux saints, quand ils vont pour demander à autre qu'Allah, quand ils vont pour aller voir les sorciers, tu lui parles, il dit, mais ça marche. Il dit, j'ai été le voir, il m'a donné mon nom. Il a donné le nom de ma mère. Il sait comment je m'appelle, il sait où j'habite. Il savait des choses qu'il ne peut pas savoir comme ça. Il a un don. Hein? Mais en vérité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ça, il l'a su parce qu'il travaille avec Shaitan. Le Shaitan qui travaille avec lui, il a demandé à ton Shaitan. Au fait, comment il s'appelle? Il s'appelle comme ça. Et sa mère, elle s'appelle comment? Comme ça. D'accord. Et le Shaitan, il lui dit dans l'oreille, il lui dit, tout simplement. Ou si c'est des choses de l'invisible du futur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé aussi comment il fait. C'est que les djinns, les shayatrines, ils essayent de voler les informations au ciel. C'est-à-dire quand Allah, il a décidé qu'une chose va se passer dans le futur. Il le fait savoir parfois à certains de ses anges. Et les anges et les gens du ciel, ils en parlent entre eux. Et les shayatrines, ils essayent d'aller voler des informations au ciel. Mais Allah leur a interdit le passage. Donc ils reçoivent des boules de feu pour les brûler. Certains d'entre eux, ils arrivent à s'enfuir, ils viennent avec ces informations et ils mélangent avec une vérité sans mensonge et ils le disent au sorcier. Alors ce sorcier, il te dit, dans un mois, tu vas avoir telle chose et il te raconte d'autres bêtises de sa tête. Et cette personne, il ne se souvient pas de ces choses-là. Shaitan, il lui embellit. Il ne se souvient que de la chose qu'il l'a prévenue. Quand il lui arrive dans un mois, il dit, subhanallah, regarde, comment il a su? Il a un don. Lui, c'est quelqu'un de pieux, il a un don. Et c'est, tout ça, c'est faux. Car quelqu'un de pieux, il ne t'appelle pas au shirk. Quelqu'un de pieux, il ne t'appelle pas à désobéir à Allah. De toute façon, personne ne connaît l'invisible sauf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît l'invisible sauf Allah. Le prophète, Allah ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le Coran, si moi je connaissais l'invisible, j'aurais eu tout le bien et aucun mal ne m'aurait jamais touché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, il ne connaissait pas l'invisible. Il a eu des maladies, ils lui ont menti, il y en a, ils lui ont fait des traîtrises, il s'est fait casser sa dent. S'il connaissait l'invisible, ces choses, il sait que ça va arriver, il va rester loin de ça, ça ne le touchera pas. Il est venu, quand Abu Huraira, il vient le voir, quand les compagnons, ils viennent le voir, il lui dit, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? S'il connaissait l'invisible, à quoi ça sert qu'il lui demande d'où il vient? À quoi ça sert qu'il lui dise c'est quoi votre histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand deux personnes viennent se plaindre à moi pour que je juge entre eux, il se peut que l'un de vous parle mieux que son ami, je vais juger pour lui alors qu'il a tort. S'il connaissait l'invisible, est-ce qu'il va se faire tromper par la parole de quelqu'un? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît de l'invisible que ce que Allah lui a informé. Effectivement, il a informé sur beaucoup de choses de l'invisible, mais ça c'est par la révélation d'Allah. Mais il ne connaît pas l'invisible de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le meilleur des hommes, l'aimé d'Allah, l'ami intime d'Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'invisible. Qui a pas en dehors de lui et en dessous de lui qu'on peut connaître l'invisible, pour prétendre cela? Celui qui prétend connaître l'invisible, c'est un kafir. Kufr akbar. مخرج من الملة. Donc barakallahu fikum. On revient à l'histoire d'Abdullah ibn Mas'ud, mais c'était une parenthèse importante. Il lui a enlevé ce fil qu'elle avait. Elle a dit mais quand je vais chez lui, j'ai plus mal. Alors il lui a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, mais je vais t'informer ce qu'il fait. Il y a un shaitan qui travaille pour lui qui te met son doigt dans ton œil. Et quand tu arrives auprès de lui, il lui dit « Enlève ton doigt ». Il enlève son doigt. Après, tu n'as plus mal un moment. Après, pour que tu retournes faire du shirk, il remet son doigt dans ton œil. Et tu retournes le voir et lui dit « Enlève ton doigt ». Tout l'objectif, c'est de te faire du shirk. Il lui a dit « Il te suffisait de dire « Allahumma rabban nas, adhib al bas, wa shfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama ».
Il lui a enseigné la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné quand on est malade. Et il lui a dit, le hadith, certes le recours à l'exorcisme et le port d'amulettes et l'usage de la tiwala relève du shirk, du polythéisme. Naam. Et c'était un hadith, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a répété la parole du prophète alayhi salat wa sallam. Tayyib. Quand ici il dit ruqa, le fait de faire appel à l'exorcisme, c'est toutes les ruqya qui ne respectent pas les règles de la sharia. Par exemple, pour qu'une ruqya soit acceptable, il faut premièrement une condition obligatoire, bi'ijma' al-muslimin. C'est que la personne sache que ce n'est pas la ruqya qui guérit en elle-même, mais c'est Allah, c'est une cause. Ça c'est un. Deuxième condition, cela doit être dans un langage clair et compris. En arabe, pour celui qui en est capable. Il ne doit pas dire des paroles ou des mots incompréhensibles. Ou il écrit des choses incompréhensibles. Troisièmement, ce ne doit pas être fait avec quelque chose de haram. Toute chose haram. Que ce soit le shirk ou même d'autres choses haram plus basses que cela. Par exemple, comme il va te demander, va égorger un poulet noir, etc. Ou un mouton noir, ou un mouton même blanc. Ça, la personne qui va égorger par obéissance au sorcier, même s'il dit bismillah, il aura égorgé pour autre qu'Allah. C'est du shirk. Il aura égorgé pour le sorcier. Ou pour le djinn, ou pour le shaitan. Donc c'est ça. Si quelqu'un fait ruqya, alors les conditions sont telles. La ruqya, elle doit comporter, ça doit être fait seulement en sachant que c'est une cause. Et celui qui guérit, c'est Allah. Deuxièmement, cela doit être fait avec des paroles en arabe comprises. Ça peut être permis en une autre langue que l'arabe pour celui qui n'est pas capable de parler l'arabe, d'invoquer en arabe. Il peut invoquer en français, par exemple, pour celui qui n'est pas capable. Troisième condition, il ne doit pas y avoir quelque chose de haram dans cette ruqya, que ce soit dans les paroles, dans les actes, dans quoi que ce soit. Et certains ulama disent, de toute façon, c'est mieux, et ça c'est sûr, mais certains mettent la condition que ce soit avec le Coran, les hadiths, ou bien les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, les autres ruqya, elles sont haram. Toute autre ruqya, c'est haram. Que la personne, elle se le fasse à soi-même ou qu'elle aille la demander à quelqu'un. Deuxième chose concernant la ruqya. Si la personne va demander ruqya, elle mashrou'a. Celle qui est légiférée. Quelqu'un qui lit avec le Coran, par exemple. Et on sait que ce n'est qu'une cause. Et avec les règles légiférées. Il ne vient pas toucher une femme étrangère, par exemple. Il n'a pas besoin de toucher. Ce n'est pas obligatoire de toucher, par exemple. Ce n'est pas une obligation de toucher pour faire le ruqya. C'est la lecture qui compte. Lui, il dit non, il faut que je touche ta femme. Comment, pourquoi tu touches ma femme? Barakallahu fik. Pourquoi tu touches sa tête, ses pieds ou... Pourquoi tu touches? Ce n'est pas une obligation, tu ne touches pas. Même derrière un voile ou avec un gant, il n'a pas à la toucher. Il lit, c'est suffisant. Non, même dans ces conditions-là, même s'il respecte les règles, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas la première chose à faire d'aller demander ruqya à quelqu'un. Ce qui est recommandé, c'est de se faire ruqya soi-même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 70 000 de sa communauté entreront au paradis sans compte et sans châtiment. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya aux autres, c'est-à-dire qu'ils s'en remettent à Allah. Et qui n'utilisent pas l'ilaj bil kay. Le kay, c'est par le feu, avec les brûlés, soignés avec la brûlée. Qui ne croient pas dans les mauvaises augures et qui s'en remettent en toutes choses à Allah. Donc la ruqya, la première chose à faire, c'est que la personne se fasse ruqya elle-même. Si elle demande à quelqu'un, c'est permis avec les conditions qu'on a citées auparavant, mais elle perdra cette récompense d'entrer au paradis avec les 70 000 sans jugement ni châtiment. Wadih. Aujourd'hui, barakallahu fikum, les gens ils sont passés du shirk des sorciers au shirk des ruqats. Ils vont voir les ruqats, ils ont des confiances en lui. Ah, ce raqi, il est fort. Ce raqi, il guérit. Tu entends ces paroles-là? Ou bien ils vont voir le raqi, et ce raqi, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, il lui annonce des choses de l'invisible. Tu as 7 djinns, un rouge, un noir. Son cousin, il est venu dire salam, il est reparti. Ça fait tant d'années qu'ils sont là. Allah al-Musta'an. Il dit, qui t'a informé de ça, ya kadhab, ya shaitan? Qui t'a informé de cela? Menteur. Wallahi, c'est un menteur. Et on a le droit de le traiter de menteur. Ou bien il ment directement,
ou bien elle a pris l'information d'un djinn qui est un menteur. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un mensonge. Il ne connaît rien de ces choses-là. Par l'expérience, tu peux savoir tel et tel signe, Allahu a'lam, on dirait que tu as un sihr. Tel ou tel signe, Allahu a'lam, on dirait que tu as un ayn. L'expérience. En général, la personne qui a un ayn, il a tel symptôme. En général, une personne qui a un sihr, il a tel symptôme. C'est l'expérience. Ça, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais tu ne peux pas, la tajzam bil yaqin, tu ne dis pas avec certitude, tu as telle chose. Et en plus, c'est de telle date, depuis telle époque. Et il va même aller te dire, oui, c'est telle personne qui t'a... Ferme les yeux, est-ce que tu vois quelqu'un? Ah oui, tel. Ah ben, c'est lui qui t'a fait sihr. Ah de billah. Tout ça, c'est parler dans l'invisible, birir haq. C'est des menteurs, ces gens-là. C'est des gens, ils font du commerce avec les sentiments des gens. Fabarakallahu fikum. Aujourd'hui, vu le nombre de charlatans qu'il y a, faites-vous ruqya vous-même. Apprenez à faire ruqya, faites-le à votre famille si vous avez besoin. N'allez pas voir les charlatans. Haoulay al-kadhabin. Non. Donc, le sihr. On a parlé de la gravité du sihr et de la sorcellerie, d'aller voir des sorciers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en parlant du sihr, le devin. Le devin aussi, c'est un sorcier. C'est quoi le devin? C'est pas quelqu'un qui fait de la sorcellerie, mais c'est quelqu'un qui te dit ce qui va se passer dans le futur, par exemple. Ou bien l'arraf. L'arraf, c'est la personne qui va te chercher une chose perdue. Il va dire cette chose perdue, elle est dans tel ou tel endroit. Tout ça, c'est du sihr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui vient voir un arraf, ou bien un devin, et qu'il croit en ce qu'il lui dit, alors il aura mécru en ce sur quoi il aura mécru sur ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il lui a donné quoi? Il lui a donné un pouvoir qui n'appartient qu'à Allah. Il a cru que cette personne, elle connaissait l'invisible. Et dans un autre hadith, il suffit qu'il aille le voir, même s'il ne croit pas dans ce qu'il dit, et 40 jours sa salat ne sera pas acceptée. Juste ouvrir, et je vais vous parler de ça justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a appris ne serait-ce qu'un peu de l'astrologie, il a appris la sorcellerie. Une personne, elle ne fait qu'ouvrir, elle ouvre le journal d'astrologie, elle regarde ou elle écoute, 40 jours sa salat n'est pas acceptée. 40 jours. Même si elle n'y croit pas. Juste, elle dit, tiens, je vais voir ce qu'ils disent. Moi, je sais pas, je suis taureau, ou là, je sais pas comment ils racontent, là. Hein? Ah, bon, ils disent ça? Juste comme ça, il veut écouter, pour voir. Pendant 40 jours, sa salat, elle n'est pas acceptée. Et celui qui croit en ça, il a mécru dans ce qui a été révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez la gravité du shirk. Et le shirk, combien de sortes il peut prendre? Et la sorcellerie dont on vient de parler, as-sihr. Naam. Parmi les péchés, les grands péchés, qatl an-nafs allati harram Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate al-Ma'ida verset 32, celui qui a tué une âme sans que ce soit pour la loi du talion et que ce soit à cause d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Tayyib. On va parler d'abord du verset dans Sourate An-Nisa. Celui qui tue un croyant de plein gré, alors sa récompense sera l'enfer éternellement et Allah est en colère contre lui et il l'a maudit et il lui a préparé un châtiment énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman ne cesse d'être dans une largesse de sa religion tant qu'il n'a pas fait couler un sang haram, un sang sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose qui sera jugée entre les gens, c'est le sang. C'est le sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un mécréant avec qui on a un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et pourtant, son odeur se sent à plus de 40 ans de distance. Donc, l'âme qui est interdite à tuer, elle est de quatre sortes. Le musulman. Son sang, il est sacré. Al-Dhimmiyyu, c'est le mécréant qui vit sous les lois de l'islam, dans les pays musulmans, sous la domination des musulmans. Son sang, il est sacré.
celui avec qui on a un pacte de paix. Par exemple, notre pays, il a un pacte de paix avec un pays de kuffar. Un pays musulman, par exemple, il a fait un pacte de paix avec un autre pays de kuffar. Leur sang, il est sacré. Wal musta'manu. La quatrième, c'est celui à qui on a donné la sécurité. Même si c'était une personne avec qui on est en guerre. Un pays musulman est en guerre avec un pays de kuffar. Et cette personne, elle dit, pour X raisons, l'État, il lui donne l'autorisation de rentrer pour un commerce, parce qu'ils ont besoin de lui, pour transmettre un message, comme par exemple les messagers à l'époque. Pourquoi elle n'était pas tuée? Alors, si la sécurité lui a été donnée, personne n'a le droit de le tuer et de lui faire du mal. Ces quatre sangs-là sont sacrés. Donc, celui qui fait couler l'un de ces quatre sangs-là, il rentre dans tous les châtiments, toutes les mises en garde qu'on a entendues auparavant. Non. Et vous avez entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été doux avec la personne qui tue même un mécréant, sans droit. Il a dit qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se sent à plus de 40 ans de distance. Donc ça montre que c'est un grand péché. Alors qu'allons-nous dire de tous les gens là qui se prétendent de l'islam, qui font exploser des musulmans et des koufars, des innocents, des gens qui sont même pas en guerre, qui tuent, qui violent, et après ils disent Allahu Akbar. Comme il a dit Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, quand ils lui ont demandé sur... oui, Cheikh, il y en a qui disent que non, c'est pas vrai, Al-Qaïda c'est des mujahidines. Al-Qaïda c'est des mujahidines, c'est des combattants. Il a dit oui, c'est des mujahidines. Fi sabili shaytan. Ils sont des mujahidines sur le sentier de shaytan. C'est pas des mujahidines fi sabilillah. Non. Parmi les grands péchés, c'est de manger l'argent de l'orphelin. Quand un orphelin est sous ta charge, tu as sa tutelle, et que ses héritiers, ou bien plutôt ceux dont il a hérité, lui ont laissé un héritage, où il a des biens qui sont propres à lui. Alors, subhanallah, on verra ça, et ça tout le monde connaît, dans les pays musulmans, comment l'orphelin, il est maltraité. Les oncles, c'est les premiers à manger son argent. Et il lui serre la ceinture, et il lui vole sa maison, et son argent, et ses biens, et il le laisse comme ça. Tout le monde connaît ça. Combien de gens, ils m'ont appelé pour des questions concernant cela. Ils le font aussi avec les femmes, alors qu'Allah leur a donné une part dans l'héritage. « Ah non, toi, tu vas aller te marier avec un étranger, le bien de la famille, il va aller avec un étranger. » D'où tu sors ces philosophies, barakallahu fik. Allah lui a donné une part, donne-lui sa part. Point à la ligne. Tu l'as pris, t'as volé. Tu manges de l'argent haram. Il faut le savoir, ça. C'est une part déterminée dans le Coran. C'est déterminé. Et Allah Ta'ala a dit à ceux qui mangent l'argent des orphelins, « Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. » Ceux qui mangent l'argent des orphelins avec par injustice, ils ne font manger que le feu dans leur ventre et ils seront brûlés en enfer. L'orphelin, il est faible. Si les gens qui ont sa responsabilité, ils lui font du mal, ils lui font de l'injustice, qui va le protéger, subhanallah? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana wa kafilu yatimi kahatayni fil jannah » Il a dit, moi et celui qui s'occupe, qui prend à sa charge un orphelin, on est comme ses deux doigts au paradis. Comme ses deux doigts. Il a collé l'index et le majeur, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Je crois qu'on va finir les autres péchés la prochaine fois. Comme ça, on ne sera pas trop long. La dernière fois, on a été long. On fera la suite, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما